Alors, la gale, tu ne connais pas la gale. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une gale. Alors, normalement, vous êtes à même de découvrir ce que c'est qu'une gale. Qu'est-ce qu'une gale? Qu'est-ce que la gale? C'est quoi une gale? Comme je vous ai déjà dit, toujours toute affection se définit par sa présentation clinique et puis par, on va dire, pas le mécanisme physiopathologique, mais le groupe à lequel elle va s'intégrer. Donc la gale est une, avant tout, c'est une infection parasitaire, exactement. Alors c'est une infection parasitaire communautaire, alors qui va se manifester principalement, on va voir dans le détail. Donc l'expression clinique de la gale la plus commune et celle que vous connaissez, ça va être exactement le prurit. On verra donc les présentations cliniques qui vont nous permettre d'asseoir notre diagnostic. Et puis, comme vous avez vu, à travers toutes les pathologies, on peut avoir des expressions cliniques un petit peu atypiques. Donc, c'est toujours votre recherche, votre analyse sémiologique et puis, qui va vous permettre donc, d'aboutir à un diagnostic. Alors, c'est une infection qui est connue depuis très longtemps. Donc, on a retrouvé des écrits alors, depuis le temps d'Aristote. Alors, c'est guerre qui a permis quand même d'individualiser au cours du XVIIe siècle, on verra ça par la suite. Alors, c'est quoi? C'est une ectoparasitose, donc cutanée. Alors, c'est un parasite strict de la peau, donc elle est due à un acarien. Alors, on verra par la suite, donc un acarien, il rentre dans une espèce de groupe comme ça d'arachnidés, donc dans c'est un peu le gros sac dans lequel on met araignées et autres, acariens, puis vous avez donc toutes ces petites, donc on va dire, bestioles entre guillemets, donc à pattes. Et puis, pour la gale, ça va être donc le Sarcopteryx cabei hominis, donc, qui est la variété qui va donc contaminer l'homme. Alors, elle est très contagieuse, donc la gale. Alors, cependant, on ne se contamine pas automatiquement, on verra quels sont les modes de contamination. Et puis, l'expression clinique, ça va être donc ce prurit. Qu'est-ce qu'il a comme... Le prurit est un symptôme. On a vu ensemble que le prurit, on peut le retrouver un peu dans beaucoup de pathologies. Mais qu'est-ce qu'il a de particularité, ce prurit? Il est recrudescence nocturne. Donc, c'est le caractère nocturne du prurit qui doit attirer votre attention. Alors, les signes cliniques, ça va être quoi? On verra. Donc, il va y avoir des vésicules, il va y avoir des sillons, il peut y avoir des nodules. Donc, ça va être l'expression donc, clinique des réactions inflammatoires, immunitaires, donc face à ce sarcopte-là, et puis par rapport aux déjections. Alors, dans la plupart des cas, les réactions inflammatoires sont plus secondaires aux déjections du sarcopte qu'au sarcopte lui-même. Donc, l'expression clinique, ça va être, on va voir toutes ces lésions-là inflammatoires. Donc, sachez qu'il existe de nombreuses présentations cliniques, de nombreuses formes cliniques. On les verra dans le détail, ce qui confère à cette pathologie, à cette affection, sa difficulté diagnostique. Alors souvent, le problème avec la gale, étant donné son caractère contagieux, elle peut sévir à l'état d'épidémie, alors que souvent, on va la retrouver dans des collectivités. Alors l'individu, il est soit en rapport avec ses membres de la famille, soit il est dans un environnement, alors on peut prendre par exemple les milieux hospitaliers. Donc cette gale-là, elle est souvent à l'origine d'épidémie de collectivité. Alors, c'est ça le problème, étant son caractère assez contagieux. Alors, votre rôle est de stopper donc ce cercle-là. Pourquoi? Parce qu'il suffit, alors, on va voir dans le traitement, alors, il ne suffit pas de traiter votre patient. Cette maladie, elle a la particularité de devoir traiter à la fois le patient et l'environnement. Alors, l'environnement, que ce soit l'environnement matériel ou l'environnement, bien sûr, immédiat à travers donc, les personnes contactées. Sur le plan épidémiologique, elle est très fréquente. Alors, on en voit très souvent. Alors, elle est responsable d'épidémies cycliques. Alors, de temps en temps, on a comme ça des petites épidémies des collectivités. Alors, on va les retrouver, ces épidémies, non seulement dans les milieux hospitaliers. Donc, d'hospitaliser, il suffit qu'il y ait un patient de malade. Et puis, par la suite, on risque d'avoir tout le service qui peut être contaminé.
Vous avez bien sûr les foyers de personnes âgées. Donc, tous les milieux, il va y avoir donc une concentration d'individus. Et puis, bien sûr, dans les milieux défavorisés, alors malheureusement, donc, la promiscuité favorise donc l'émergence donc, de gales. Et puis, bien sûr, vous avez les populations donc, un peu plus fragiles, donc, qui ont un déficit immunitaire, donc, soit acquis ou encore par, donc, soit par la prise de, notamment d'immunosuppresseurs et de corticoïdes par voie générale ou locale. Donc, ça peut se faire donc, par contact direct. Donc, souvent, dans le cadre au sein de la même famille, on va retrouver donc, ces cas contacts, ces cas contaminés, on va dire, à travers donc, le couple, donc le conjoint, les enfants, donc la famille, parfois, bien sûr, comme vous avez vu, dans le milieu professionnel. Donc, à travers, non seulement il peut y avoir donc, un contact direct, donc rapproché, ou un contact indirect, entraînant donc, cette contamination, à travers, bien sûr, l'utilisation notamment des boucheries communes ou encore de produits qui ont été, par exemple de serviettes également, qui ont été contaminés. Alors, cette contamination indirecte, elle reste plus rare. Elle concerne surtout les formes. Il va y avoir une richesse donc, de ce parasite-là. Il s'agit surtout des formes profuses et hyperkératosiques. On verra donc leur expression clinique. Mais sinon, dans la plupart des cas, ça va être plus un contact direct, mais prolongé, qui va donc, qui concourt donc à cette infection parasite. Alors, elle est considérée comme étant une infection sexuellement transmissible. D'accord ? Donc pourquoi ? Parce que souvent, il va y avoir contamination. Alors, on va voir que dans la localisation, la région génitale est une région préférentielle des lésions donc de gale. Et donc, si on a donc cette localisation-là, on la considère comme étant également une IST. Alors, IST, pourquoi ? Parce que souvent, elle va rentrer dans un... Alors, elle concerne des milieux un petit peu défavorisés, donc elle va rentrer dans le cadre d'autres infections. Alors, elles sont souvent fréquemment associées. Alors, je parle d'autres IST. Alors, quand on a une IST autre que la gale peut être juste, donc, apparaître, et, enfin, être l'expression clinique seule, donc, d'une infection. Mais si vous avez d'autres IST, alors, c'est des populations en général qui sont plus sensibles à ces IST-là. Donc, il peut y avoir plusieurs IST à la fois. Donc, chercher la gale, entre autres, à travers donc, la présence d'autres IST. Alors, concernant les données parasitologiques, donc, ce sarcopte-là, il est tout petit, il a 0,4 mm, donc il est très... Donc, il n'est pas visible à l'œil nu. Donc, on va voir les signes indirects de sa présence, d'autant plus que lui, il va se localiser au niveau des couches profondes, donc en sous-cornée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est Guir qui a individualisé, qui est le premier à avoir individualisé ce sarcopte-là. Alors, ces acariens, comme je vous disais tout à l'heure, est une sous-classe des arachnidés. Donc, ils sont là, c'est des données pures de parasitologie. Donc, c'est un embranchement c'est des arthropodes, on va dire. Et puis, ils vont accidentellement toucher l'homme, et puis à travers donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les modes de contamination directs ou indirects. Maintenant, comment survient cette infection? Sachez que c'est la femelle donc, qui est responsable de la maladie. Alors, cette femelle, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Alors, c'est elle qui va se déplacer. Alors, pourquoi? Parce qu'on va voir que le mâle, une fois qu'il va féconder cette femelle-là, il va mourir. Donc, c'est la femelle qui est responsable de l'infestation. Alors, elle a une mobilité, alors... assez bonne, entre 25 et 30 degrés. Alors, au-delà et en deçà, le parasite résiste un peu moins. Alors, au-delà de 55, le parasite, il est pratiquement tué. Alors, c'est pour ça que dans les recommandations thérapeutiques, on va préconiser un repassage, on va préconiser de laver à l'eau chaude. Donc, ça permet de tuer donc, ce parasite-là. Puis, sachez qu'il perd sa mobilité à moins de 20 degrés. Alors, elle est plus présente donc, dans des milieux chauds, un peu humides, qui, dont la température donc, vacille entre le 25 et le 30 degrés. Alors, sachez que le sarcopte meurt en général en 12 à 24 heures et que pour avoir donc cette infection-là, il faut une incubation de 3 semaines. De façon générale, le cycle parasitaire donc, va se faire en une vingtaine de jours. Et puis, on n'a pas beaucoup de sarcoptes parce que si on se met à calculer, on s'est rendu compte qu'on peut avoir retrouvé des mâles et des femelles. Mais les parasites réellement responsables de cette infection sont peu nombreux, ils sont d'une dizaine à une vingtaine, donc femelles par individu. Ce qui ne va pas, comme on l'a vu tout à l'heure, donc les manifestations cliniques ne sont pas dues qu'au sarcopte. Elles sont dues à la présence, donc, non seulement aux déjections, puis bien sûr, il va y avoir
tous les autres donc, signes d'accompagnement qui vont entraîner en général des manifestations inflammatoires. Et puis des réactions immunitaires. Parce que le prurite, c'est quoi? C'est une réaction un petit peu auto-immune qui va être donc à l'origine donc, de ce caractère prurigineux des lésions. Alors, donc, quelles sont les meilleures conditions pour un sarcope pour sévir? Ça va être donc une pièce de 21 à 40 degrés, donc température avec humidité, on va dire, de 80%. Donc, ce parasite-là donc, va rester jusqu'à 36 heures et c'est les conditions optimum pour la survie donc, de ce sarcope-là. Donc, en revanche, comme on l'a dit tout à l'heure, des températures plus basses ou plus hautes vont entraîner donc, l'élimination de ce parasite. Alors, ce parasite, alors souvenez-vous, il faut un contact. Il va pénétrer donc, à travers notre épiderme au bout de 30 minutes. C'est-à-dire, et puis pour avoir cette pénétration du parasite, il faut d'abord un contact suffisamment prolongé. Ce n'est pas parce qu'on a passé la main sur un endroit ou que si on a touché un patient qui a une gale que forcément on va avoir une gale. Quoique par mesure de précaution, il vaut mieux se laver les mains, étant donné le risque qu'il y a si vous avez une infraction cutanée ou un petit traumatisme, là le parasite va lui faciliter un petit peu sa pénétration. Donc, et puis il y a des études qui ont été faites, et puis donc à travers, comme on a vu tout à l'heure, donc à travers cette incubation qui va durer, donc l'infection va se manifester au bout de 4 semaines. Cette incubation peut être beaucoup plus courte. S'il vous plaît, mettez vos bavettes, mademoiselle, remettez votre bavette. Alors, cette incubation peut être plus courte dans les cas de réinfestation. Alors, le problème, c'est que vous avez beau traiter, parce que la gale, comme vous le savez, ne confère aucune immunité. C'est-à-dire, si vous faites une gale, si vous êtes correctement traité, au bout d'une semaine, vous êtes de nouveau contact, vous risquez de refaire une gale, et puis on a des risques de réinfestation. Donc, cette incubation sera d'autant moins longue qu'il y a donc, qu'il s'agisse d'une réinfection. Le parasite. Alors, cette femelle, elle va être fécondée au niveau des couches superficielles, donc au niveau de la peau. Elle va par la suite s'enfoncer. Donc, c'est en s'enfonçant qu'elle va créer ce qu'on appelle les sillons scabieux. Donc, elle va s'enfoncer et tout en parcourant, donc elle va se mettre un petit peu entre la couche cornée et la couche donc, granuleuse de Malpighi. Donc, tout doucement, elle va faire tracer un petit peu son chemin. Et sur le long de ce chemin-là, elle va pondre ses œufs. Et puis, entraîner, bien sûr, comme des déjections. Et c'est ces produits, qui vont entraîner donc, cette réaction inflammatoire. Allez-y, oui. Alors, vous êtes en retard d'une heure, normalement. Alors, sachez que cette femelle-là, elle va creuser 1 à 2 mm par jour. Allez, donc, vous voyez, c'est un tout petit parasite, mais quand même qui est capable de faire un petit bout de chemin. Et puis, pondre également 3 œufs par jour. Donc, on va faire un petit calcul. Donc, vous voyez que cette femelle, que par femelle, on va avoir quand même un certain nombre, donc, chaque femelle. Mais sachez que tous les œufs ne seront pas forcément, donc, ne vont pas donner un sarcote. Mais déjà, ces œufs-là, ces produits, ces déjections vont entraîner, donc, ces réactions inflammatoires. Alors, ces œufs vont éclore au bout de 3 à 4 jours. Et puis, vous avez une larve, donc c'est la nymphe qui va rejoindre de nouveau. Donc, elle va avoir un cycle donc, de maturation. Donc, elle va rejoindre donc, la couche superficielle et puis aboutir de nouveau à une forme adulte. Alors, ce cycle va se dérouler au bout d'une quinzaine de jours. Hein. Alors, donc, si on doit garder quelque chose en tête, donc c'est la femelle qui va être responsable donc, des lésions de gale. Et puis, seul 1% des œufs vont donner donc ces sarcoptes-là. Alors, vous avez à gauche un mâle, à droite une femelle. Alors, j'ai oublié de vous dire que le mâle, une fois qu'il fécondé la femelle, il meurt. Alors, ce que vous avez, puis vous avez une nymphe, donc une éclosion d'une nymphe et puis des œufs. Alors, c'est un fort grossissement, donc il vous permet de voir cet arthropode-là qui est responsable de cette affection. Alors, comment maintenant poser le diagnostic ? À travers l'examen clinique, qui doit être minutieux. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de formes cliniques et certaines formes sont assez atypiques. Alors, le prurite, c'est vrai, mais nous, on a tendance à croire que le prurite est le maître symptôme avec prurite nocturne, lésions sillant, vésicule. Alors, dans la plupart des cas, on ne va pas retrouver ça. Alors, étant donné qu'on est parfois face à des personnes
qui sont suffisamment propres. Et puis, on peut avoir donc des signes indirects. Pourquoi on va dire, voir tout à l'heure, il existe par exemple ce qu'on appelle la gale des joncs propres, donc sans autre manifestation clinique. Donc, il va y avoir un discret prurite. Donc, c'est les critères sémiologiques de ce prurite-là qui vont vous permettre de vous mettre un petit peu sur la voie. Donc, l'examen doit quand même être très minutieux, donc à la recherche à la fois de signes indirects et de signes directs. Donc, les signes indirects sont les signes, bien sûr, occasionnés par votre grattage. Alors, le grattage, il va se faire donc sur certaines localisations. Alors, on va retrouver ces signes indirects-là, donc, sur certaines... Donc, c'est des signes de grattage, c'est des striations. Donc, on va retrouver au niveau des espaces interdigitaux, au niveau des faces antérieures des poignets. On va les retrouver également au niveau des coudes, des omanchures, donc au niveau des faces antérieures des bras. Vous avez l'ombilique, les fesses, et puis on fait les organes génitaux et les mamelons chez la femme. Donc, si vous avez déjà, mais ce qu'on remarque, c'est que ça va épargner certaines localisations. Ces localisations s'intéressent aussi bien le prurite que les signes, que les manifestations directes de votre, donc des lésions de gale. Alors, ce prurite, qu'est-ce qu'il va avoir comme caractéristique? Donc, ah bon? Vous êtes en train de partager l'examen? Attendez, on va leur demander. Alors, s'il vous plaît, vous qui êtes de l'autre côté de vos écrans, est-ce que vous arrivez à voir les planches? Non? Il y a quelqu'un de vos camarades qui vous a envoyé, donc ils n'arrivent pas. On va demander, s'il vous plaît, de l'autre côté, si vous avez, c'est bon, la planche. Alors, donc on revient sur le prurite. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il est nocturne, à recrudescence nocturne. Donc, il est féroce, il est... Alors, ça veut dire qu'on a, quand on parle de recrudescence, ça veut dire qu'on a un prurite un petit peu permanent, mais qui va surtout s'exacerber le soir. Étant donné que le parasite, on va le retrouver, tout simplement, dans la literie, une fois que votre patient il se met au lit. Donc, il va y avoir ces sarcoptes-là qui vont encore agir et qui vont... Et puis, c'est le soir que les sarcoptes vont un petit peu avoir leur activité. Alors, ce prurite, il peut être très, très important. Il va être insomniant, il va être féroce, il va entraîner une gêne. Et puis, il y a le caractère, bien sûr, familial, souvent conjugal du prurite. Il va épargner, à savoir, de façon préférentielle, le visage et le dos. Alors, le dos et le visage, bien sûr que de façon générale, vont être épargnés, mais dans certaines formes cliniques, on pourra avoir une atteinte au niveau du visage ou encore du dos, notamment dans les formes profuses ou encore dans les formes familiales, plutôt pédiatriques. Alors, il faut penser à la gale, donc devant, donc ces lésions-là, ces excoriations, et comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est une réponse allergique, donc due à la sécrétion d'immunoglobuline. Et ce prurite, en général, qui est le maître symptôme,
qui va nous permettre donc déjà d'évoquer ce diagnostic. Alors, de façon générale, on a des dermatoses prurigineuses, et puis en parallèle, on a ce qu'on appelle le prurite sine materia. Je vous en ai déjà parlé. Donc, on peut avoir prurite avec lésion et prurite sans lésion. Dans la gale, on peut avoir les deux. Donc, on peut avoir juste le prurite, et puis vous pouvez avoir tous ces signes-là, soit directs ou indirects, donc qui vont vous évoquer ce diagnostic. Concernant maintenant les lésions spécifiques, dans les lésions spécifiques, on va retrouver bien sûr à travers la triade prurite, vésicule et sillant, donc les manifestations cutanées, donc à travers la présence de ce parasite au niveau de la peau. Alors ces vésicules et ces sillants sont spécifiques, typiques et pathognomoniques de la gale, et on va les retrouver pratiquement sur les mêmes sièges, sur les mêmes sites que votre prurite, à savoir au niveau surtout des espaces interdigitaux. On va les retrouver au niveau des plis de la face antérieure, donc des bras. On va les retrouver au niveau des plis, tous les plis, à savoir également les organes génitaux et puis au niveau de l'ombilique. Donc, comme je viens de vous le dire, donc le dos, le scalp, le visage sont des zones normalement épargnées par les lésions, à la fois spécifiques ou encore le prurite. Concernant l'enfant, il y a une localisation très particulière, on verra ça tout à l'heure, ça va être surtout les pommes et les plantes, et notamment la plante des pieds. Alors, il ne faut pas passer à côté de ces lésions-là, c'est des petites papules, c'est des petites vésicules qui sont pas... Alors, je vous montre juste la photo et on va revenir dessus. Alors, ah, donc, elles sont assez loin. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une lésion. Alors, si vous avez des lésions, alors, il n'y a pas beaucoup de diagnostics à évoquer devant des lésions comme ça. Vous avez bien sûr certaines viroses à travers l'acropustulose, mais le premier diagnostic à évoquer... Chez un nouveau-né, alors bien sûr, on ne va pas avoir le prurite comme pour l'adulte, on va avoir des signes indirects. Donc, si vous avez ces lésions-là, premier diagnostic à évoquer, ça va être celui de la gale. Et puis, bien sûr, vous allez rechercher la nature de comptage et la présence. Alors, si on a un enfant, un bébé qui a une gale, alors logiquement, on devrait s'attendre à avoir également une gale, notamment chez les parents, chez la maman. Alors, on revient au sillon scabieux. Alors là, il n'est pas très visible. Alors, c'est un petit trajet, comme ça, on le verra sur la planche qui vient de suite. Donc, parfois, il est assez difficile à mettre en évidence. Ce n'est pas toujours évident de voir les sillons. Alors, il tente de donner qu'il est très, très petit. Alors, il s'agit donc du trajet donc, que va creuser cette femelle et qui va être rempli de... Alors, il siège principalement au niveau des espaces inter... Alors, vous arrivez à voir ou non, là non. Alors, sur la photo, alors là, c'est vrai que ce n'est pas toujours... Donc, ils sont grossiers. Alors, il y a un petit sillon. Alors, voilà... ce sillon-là, mais après donc la coloration à l'encre de Chine. Donc, vous voyez que c'est assez... on peut s'aider par ça. Donc, c'est un trajet un petit peu sinueux, comme vous le voyez là. Alors, il contient donc des œufs qui vont être pondus par votre femelle. Et puis, au bout de ce sillon-là, on va voir la femelle. Et puis, on appelle ça l'éminence acarienne. Donc, toujours à la fin, il va y avoir comme une espèce de protubérance là, qui est donc... qui est secondaire à la présence donc de votre sarcote. Les vésicules perlées. Donc, c'est des vésicules, vous savez ce que c'est. Donc, on va retrouver ces petites lésions en relief. Alors, donc c'est des petites papules surélevées par une lésion translucide, donc à contenu liquidien, qui va siéger principalement... S'il vous plaît, arrêtez de parler en même temps, là. Donc... elle va siéger également au niveau des espaces interdigitaux. Donc, les espaces, si on doit retenir déjà les espaces interdigitaux, sont une localisation préférentielle. Donc, c'est à ce niveau-là que vous allez regarder d'un petit peu plus près. Pourquoi ? Parce qu'on a toutes ces lésions qui sont caractéristiques de votre gale. Alors, ces vésicules perlées, par contre, sont inhabitées, elles sont dites inhabitées par le sarcote. Donc, il s'agit de lésions inflammatoires secondaires. Donc, ce n'est pas la peine d'aller rechercher votre sarcote. Il s'agit donc d'une réaction inflammatoire. Et le problème avec ces lésions-là, c'est qu'elles peuvent parfois persister. Alors, les réactions inflammatoires mettent un petit peu du temps, bien que votre traitement ait été bien conduit, bien que vous soyez débarrassé du sarcote. Tout ce qui est lésions inflammatoires à travers donc, ces vésicules perlées et les nodules scabieux qu'on verra par la suite peuvent persister au-delà d'un petit moment. À côté de cela, vous allez avoir ce qu'on appelle également les nodules scabieux. Donc, c'est des nodules. Alors, comme vous le voyez, ils sont un petit peu plus gros. Ils ont une coloration un petit peu violacée, parfois cuivrée. Ils vont se localiser principalement au niveau des régions génitales. Alors là, je vous ai mis des nodules chez les tout-petits. Alors, ils siègent en général au niveau des parties des plis ou encore au niveau de la région donc, génitale chez l'homme. Alors, il s'agit souvent de lésions excoriées. Alors, c'est des lésions très, très inflammatoires, donc responsables d'un prurite assez important.
Donc, elles peuvent être donc remaniées par des lésions de grattage. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le chancre scabieux. Le chancre scabieux, bien sûr, va se localiser au niveau de la région génitale chez l'homme. Donc, il s'agit donc de lésions papuleuses, parfois excoriées. Alors, elles sont très prurigineuses et vont se localiser. Donc, la localisation génitale, elle est également très caractéristique. Hein. Elle est presque pathognomonique chez l'homme. Et puis, chez la femme, vous allez avoir les localisations mammaires, au niveau des aréoles mammaires, au niveau du mamelon, qui sont également des signes très évocateurs. Donc, vous examinez, vous regardez vos sillons, et puis vous demandez, vous examinez vos régions, donc vos, on va dire les organes génitaux, afin de confirmer votre diagnostic à la recherche donc de ces signes qui sont pathognoméniques et spécifiques. Alors, ça a l'air tout simple. Quand on parle de gale, on se dit, voilà, on ne va pas se tromper de diagnostic. Alors, croyez-moi, parfois, c'est assez compliqué. On passe, alors, je ne veux pas dire nous, mais bon, même nous, ça nous arrive de passer, mais nos confrères passent souvent à côté d'une gale. Alors ça, c'est dans le tableau, dans l'idéal. Alors maintenant, si on doit regarder, alors vous voyez qu'on a beau expliquer, donc on voit. Alors si vous avez ces petites lésions, vous arrivez à voir ou pas, là? Oui? Alors vous voyez au niveau de la main, c'est des lésions, alors, parce que là, si on doit regarder, qu'est-ce qu'on a? On a des petites, il faut aller rechercher, parce que là, on va retrouver, alors si on regarde de près, on va trouver les sillons. Alors vous avez les sillons. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des petites lésions un petit peu érythémateuses à force de se gratter. On peut avoir une petite lichenification, on peut avoir une irritation. Et puis, vous avez, alors, comme vous voyez là, c'est des toutes petites. Alors, cet aspect, il est assez typique, comme ça, au niveau de l'abdomen. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des petites papules aux vésicules. Alors, elles sont aussi bien présentes au niveau de la main qu'au niveau du tronc. Donc, elles sont très petites. Elles sont de l'ordre de quelques millimètres. Donc, vous allez les voir sur le tronc, puis vous allez examiner, comme on vient de le voir, donc les espaces interdigitaux, les organes génitaux. Et puis, ça va vous permettre donc d'asseoir votre diagnostic. Donc, ça, c'est la gale commune classique. À côté, on peut avoir d'autres manifestations. Alors, vous avez ce qu'on appelle la gale profuse et la gale croûteuse ou hyperkératosique qu'on appelle la gale norvégienne. Alors, comme vous le voyez sur la photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lésions? Alors, elles ressemblent à tout sauf à des lésions de gale. Donc, c'est des lésions érythémato-squameuses. Donc, il y a un caractère inflammatoire qui est très, très important. On ne va pas le retrouver chez un sujet donc, immunocompétent. On va retrouver ces manifestations cliniques beaucoup plus chez des sujets immunodéprimés, notamment des personnes âgées ou après prise d'immunosuppresseurs ou notamment de corticothérapie. Alors, le problème, c'est que là, parfois, les lésions sont... D'abord, il y a une extension. Alors, il y a une extension pratiquement à tout le corps. Et puis, vous avez ce caractère squameux, érythémateux. Alors, on voit, on a l'impression que c'est de l'eczéma. Alors, il peut y avoir une eczématisation, une impétiginisation. Alors, impétiginisation, vous savez ce que c'est? Très bien. Donc, c'est une surinfection bactérienne secondaire. Donc, sur ces lésions-là, donc le tableau, il est assez atypique. Alors, ce qui doit attirer votre attention, alors c'est une personne, alors ces formes-là sont très contagieuses. C'est-à-dire, vous allez avoir la notion donc, de petite épidémie des collectivités, étant donné que ces lésions sont... Alors là, par contre, si vous allez toucher ces lésions-là, il y a de fortes chances que vous ayez la gale par la suite. Alors, donc, vous avez cette forme donc, dite inflammatoire, et puis vous avez la forme alors, qui va suivre, qui est dite la gale donc, hyperkératosique. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, donc je voulais vous dire que donc il y a une extension, alors que les zones qui étaient indemnes, qui étaient normalement épargnées, vont être touchées. Ça veut dire qu'on va retrouver des lésions sur le dos et parfois même sur le visage. Alors, on va retrouver également cet aspect-là chez les sujets, donc VIH+. Donc, il rentre un petit peu dans le cadre des sujets immunodéprimés. Et puis, bien sûr, on va retrouver ce type de gale chez les personnes âgées en général. À côté, vous avez donc la gale norvégienne. Alors, cette gale-là, elle perd son caractère principal prurigineux. C'est une gale qui n'est pas prurigineuse. Et elle est très kératosique. Alors, on a l'impression que c'est des... Alors, le patient, il a une kératodermie palmoplantaire, il a des squames qui sont très épaisses, alors qu'il est indemne de tout autre dermatose. Parce que là, on peut se poser la question de dire... Est-ce qu'il nous fait, souvent la présentation clinique, ça va être une érythrodermie. Donc, il va y avoir une extension à tout le corps. Donc, on va dire, est-ce qu'il présente un psoriasis, est-ce qu'il présente autre chose. Donc, c'est votre anamnèse qui va vous conduire donc, au diagnostic.
Et puis, bien sûr, vous avez toujours en général, chez ces personnes-là, il y a une immunodépression sous-jacente. Et puis, on peut faire, par contre, sur ces lésions-là, un examen parasitologique. On n'en a pas parlé, l'examen parasitologique, il n'est pas d'utilisation courante, mais on peut pratiquer. Alors, vous avez vu tout à l'heure, alors le sarcopte, il n'est pas très, on n'a pas beaucoup de sarcopte sur le corps, mais là, par contre, on va avoir une pilulation, donc parasitaire, et à l'examen parasitologique, on pourra éventuellement objectiver donc, notre sarcopte. Alors, le prurite, comme je vous disais, il est discret. Et puis, vous allez avoir l'érythrodérie. Alors, l'érythrodérie, elle va toucher le visage, le cuir chevelu. Et puis, il va y avoir un épaississement des zones d'hyperkératose qui peuvent toucher même l'ongle. Donc, il y a un épaississement. Alors, l'évolution, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, souvent, c'est des gales chroniques hein, qui vont évoluer sur déjà plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Et puis enfin, vous avez la gale du nourrisson. La gale du nourrisson, donc, c'est une forme particulièrement qui va être papulopustuleuse avec ses vésicules perlées, comme je disais tout à l'heure. Et puis, on va avoir les nodules, bien sûr, scabieux, notamment sur les zones donc, périaxillaires et au niveau des pommes et des plantes. Alors là, par contre, on peut avoir l'atteinte du visage. Donc, il ne faut pas s'étonner d'avoir des petites lésions sur le visage chez l'enfant. Et on ne va pas avoir de signes directs. Alors, l'enfant va être agité, il va se réveiller la nuit. Donc, ces signes-là doivent attirer votre attention. Ça veut dire que le fruit, il est pris. On termine avec les nodules scabieux. Alors, les nodules scabieux, donc, c'est ces papules-là. Alors, c'est de gros nodules. Ils sont de coloration violine, cuivrée. Alors, ils peuvent évoluer donc, après donc, la guérison d'une gale, voire plusieurs semaines après. Donc, ils peuvent également être de siège ubiquitaire, mais ils ont une localisation préférentielle au niveau des plis. Alors, il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité. Alors, le problème avec ces nodules-là, c'est qu'ils sont prurigineux. Et puis, on est, parce que en matière de gale, on va se poser la question, est-ce qu'il y a eu réinfection? Est-ce qu'il y a, il y a lieu de retraiter ou non? Alors parfois, on peut carrément donner un dermocorticoïde sur ça, étant donné, mais à condition d'être sûr de ne pas avoir une réinfection, une réinfestation. Donc, on va traiter donc, ces nodules-là par un anti-inflammatoire, étant donné que la réaction elle est plutôt de type auto-humain inflammatoire. Puis surtout qu'il n'y a pas de sarcopte. Il n'y a plus de sarcopte, c'est juste une réaction donc, retardée. Alors, oui. Pardon? Alors, celle des enfants, celle-ci. Alors, c'est de grosses lésions, c'est pas parce qu'on a parlé des lésions, on a parlé des papules, des lésions. Et là, vous avez des nodules, de grosses lésions. Mais là, ça commence dans les arcs. Alors, prendre comme ça, à part des nodules, alors, bien que si, de toute façon, là, ça va se converger. Parce que vous allez avoir des nodules, vous allez les avoir. Donc, vous allez vous rechercher. Mais ça, c'est en général. Alors, alors, et si vous avez cette gale des gens propres, parfaitement. On ne va pas avoir un petit signe visible, caractéristique. Alors, donc, les signes vont être très discrets. On doit avoir un petit fruit, ça va être une réponse nocturne. Alors, il faut aller vraiment chercher les autres signes parce qu'ils vont être très visibles, c'est des gens qui vont vous souvent. Donc, il va y avoir la charge parasitaire va être pratiquement un minima, mais ce qui n'exclut pas que la personne donc, fasse une gale. Pour faire votre diagnostic, donc, on va s'appuyer sur l'anamnèse. On va mettre tout de suite le subjectif. Alors, il sera concerné bien sûr par tous les signes indirects, à travers donc, les signes indirects du grattage, et puis vous avez bien sûr ces manifestations typiques de votre diagnostic. Alors, vous avez bien sûr la topographie qui est très importante, comme on l'a vu, et puis au moindre doute, on peut pratiquer alors, un examen parasitologique. Alors, l'examen, il n'est pas toujours contributif. Alors, parce qu'il faudra aller gratter, alors il faudra aller chercher ce sarcopte-là. Ce n'est pas toujours évident d'aller retrouver. On l'a vu que la semelle, elle est quand même en profondeur, elle a creusé un tiers, donc on ne peut pas. Alors, on ne peut pas aller souvent la retrouver. Maintenant, ce produit de grattage va être examiné donc, en microscopie. Alors, en pratique courante, on fait rarement exceptionnellement. Donc, vous avez, avant d'avoir une forme confuse, hyperkératose, vous devrez retrouver facilement votre sarcopte, sinon ça ne sert à rien.
on va céder par la dermoscopie. Alors, la dermoscopie, on va quand même dermoscope de Alors, le dermoscope, donc, on a une espèce de gros outil qui va nous permettre donc, d'objectiver ce trajet sinueux. Et puis, le sarcope, donc, la fenêtre va être au bout, sous la forme de ce qu'on le déparle, vous savez ce que c'est. Donc, c'est ce petit avion, on va planer, enfin, ce petit avion-là. Donc, ça va vous montrer donc, une espèce de petit triangle à la fin, donc, qui a été un petit peu assimilé à un deltaplane et qui va être donc, typique, caractéristique donc, de ce sillon scabieux et de votre sarcope. Alors, c'est assez intéressant lorsqu'on a un doute diagnostique, c'est assez aussi intéressant chez l'enfant, étant donné que le tableau clinique peut être un petit peu atypique, donc on va céder par le dermoscope. Alors le dermoscope, je vous en ai parlé dans les lésions tumorales, mais là on tend un petit peu à élargir son utilisation, alors dans des dermatoses qui peuvent... Alors avec le temps, on finit par poser facilement, aisément, mais des fois, croyez-moi, ce n'est pas toujours évident. Quels sont les diagnostics différentiels? Donc tout ce qui est pré-vigineuse doit faire normalement l'objet donc, d'un diagnostic différentiel. Qu'est-ce qu'on va retrouver? En premier lieu, vous avez la pédiculose. Donc, on va voir ensemble ce que c'est que la pédiculose corporelle, alors avec sa présentation clinique. Alors, ça va être beaucoup plus... Elle va survenir chez des patients donc, dont l'hygiène elle est un petit peu défectueuse. Donc, on verra les cliniquement comment va se présenter donc, cette pédiculose-là. Alors, on va retrouver par contre des signes de grattage. Mais là, on devine que la pédiculose, vous savez ce que c'est. On va faire ça juste après. Donc, c'est les poux au niveau corporel. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? On a un prurite pour les deux. En dehors du cuir chevelu. Alors, je ne parle pas des poux, je parle de la pédiculose corporelle, pas des poux du cuir chevelu. Exactement. Donc, on va avoir un prurite sur tout le corps. On ne va pas avoir donc, ces manifestations. Donc, on ne va pas retrouver les sillons, on ne va pas retrouver les signes caractéristiques. Et puis, les lésions sont générales. Alors, il y a au niveau du dos et puis il y a aussi certaines localisations, étant donné que les poux vont se localiser au niveau des vêtements. Donc, là où il va y avoir le poux pourra se cacher, notamment au niveau des plis, il va y avoir accentuation des lésions. Alors, par exemple, au niveau de l'encolure, au niveau des bras, au niveau des avant-bras, donc on va retrouver beaucoup plus des lésions de grattage et prurigineuses. Alors, vous avez les autres gales. Alors, ça, c'est le sarcope hominis, celui qui est responsable de la gale humaine. Mais accidentellement, l'être humain, l'homme peut se contaminer par une gale d'origine zoophile. Ça existe également. Alors, donc là, on va chercher un petit peu, le contexte, donc éventuellement la profession ou le contact. Vous avez donc ce qu'on appelle le prurit cinématéria, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, à travers tout ce qui est prurit dit métabolique, donc tout ce qui est prurigineux n'est pas forcément que d'origine cutanée. Et là, on est appelé. Donc, d'abord, il va y avoir absence de tous les signes caractéristiques donc de la gale. Et puis, bien sûr, vous avez un prurit qui n'a pas de notion, donc sans notion de recrudescence nocturne. C'est un prurit en général qui est permanent, alors qu'il n'a pas de localisation préférentielle. Et là, il faudra faire votre bilan donc biologique à la recherche à la fois de perturbations qui peuvent être rénales, hépatiques, très bien. Donc, et puis, vous avez d'autres pathologies qui peuvent également entraîner, à savoir tout ce qui est pemphigoïde, des maladies auto-immunes, qui peuvent s'accompagner donc, de prurite. Vous avez l'acropustulose infantile, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, principal diagnostic étiologique, ça va être l'origine virale. Mais accessoirement, la gale peut entraîner ces lésions-là. Alors, cette maladie-là semblerait être plus présente chez les patients à peau noire ou encore asiatique. Alors, chez eux, ils recherchent automatiquement la gale. Alors, chez nous, la gale sévit de façon un petit peu plus endémique, donc on a souvent des gales. Et puis, l'acropustulose infantile, par contre, alors c'est vrai qu'elle pose un petit problème, étant donné que la localisation céphalique au niveau des pommes et des plantes reste assez fréquente. Et là, il faut faire la part des choses. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, à travers donc, votre recherche anamnestique, à la recherche d'autres sujets donc, infectés. Puis enfin, vous avez chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, on a ce qu'on appelle les dermatoses polymorphes de la grossesse et à travers la pemphigoïde donc gravidique qui peut s'accompagner. Alors bien sûr, on peut avoir des lésions bulleuses typiques comme on peut avoir parfois juste un prurite dit gravidique à intégrer donc ce qu'on appelle, comme je vous disais tout à l'heure, les dermatoses polymorphes de la grossesse. Et là, il faudra donc évoquer le diagnostic de gale ou encore de dermatoses de la grossesse.
Concernant le traitement, alors je vous ai mis en premier lieu l'ivermectine. Alors l'ivermectine est le traitement de première intention ailleurs, pas chez nous. Nous, on se contente encore, on a alors l'ivermectine, je pense qu'elle n'est même pas disponible chez nous, alors elle n'est pas commercialisée. Alors les rares patients la ramènent autrement. Donc ailleurs, c'est l'ivermectine en prise donc unique, alors avec éventuellement une deuxième dose à 7 à 10 jours. Et puis, chez nous, on pourra la proposer éventuellement en cas d'échec thérapeutique. Donc, si on doit garder quelque chose en tête, donc proposer toujours traitement local, ivermectine en seconde intention. Le traitement local reste le traitement à privilégier. Alors, il est le plus utilisé et il est à base de benzoète de benzyle. Alors, c'est ce que vous connaissez donc c'est l'ascabiol, enfin, il y a d'autres classes thérapeutiques, il y a d'autres molécules. Et puis, quelles sont les modalités? Alors, ça, c'est les modalités donc, de la littérature. Alors, donc, on demande au patient de prendre un bain, donc sur une peau qui va être humide. Donc, on va appliquer ce produit sur la totalité. Alors, maintenant, si vous avez des lésions, si vous suspectez des lésions du visage, on demandera au patient d'appliquer sur le visage. Mais on fait très attention aux muqueuses. C'est un produit qui peut être irritant. Donc, muqueuse buccale, bien sûr, toutes les muqueuses également génitales, il faudra éviter donc d'appliquer dessus. Alors, on laisse sécher et puis on demande au patient de ne pas se laver, de rester 24 heures avec le produit et puis, bien sûr, de mettre des habits, étant donné que le sarcopte, donc, se retrouve au niveau du linge, au niveau de la literie. On lui demandera donc de faire ses mesures adjuvantes automatiquement, donc en mettant du linge propre et en nettoyant bien sûr sa literie. Cependant, ce produit, des fois, peut être un peu irritant, alors asséchant. Donc, on pourra associer un émollient. Donc, juste une petite crème hydratante à associer à votre benzoate de benzoyle. Cette application devra être renouvelée une semaine, 8 jours après, étant donné qu'il y a des œufs, donc il y a de fortes chances que ces œufs éclosent. Et puis, bien sûr, il faudra donc traiter lors d'une deuxième application. Maintenant, concernant l'enfant, c'est particulier. Si votre enfant il a moins de 2 ans, alors l'application ne devra pas dépasser 12 heures. Et on demande de façon pratique toujours de diluer. Donc, on va diluer de moitié donc votre benzoate de benzoyle. Au-delà de 2 ans, on pourra garder l'application jusqu'à 24 heures. D'accord ? Maintenant, l'alternative, ça va être, dans certaines situations, on est appelé, étant donné le caractère parfois irritant, asséchant, donc on peut être appelé à donner autre chose, à savoir vous avez la permétrine. Toujours, on va appliquer sur tout le corps. Maintenant, l'application se fait sur tout le corps. Même sur la localisation. Alors, il y a une crème aussi sur ce qu'on appelle le crotamiton. Le crotamiton, on peut l'appliquer sur les localisations génitales, étant donné que souvent, on va avoir des nodules et des lésions un petit peu plus inflammatoires à ce niveau-là. On pourra associer le crotamiton. Donc, je vous mets ce qu'on retrouve dans la littérature. Je vous dirai ce qu'on fait d'habitude. Donc, ça, c'est les modalités d'application qu'on va retrouver sur le vidal. Donc, concernant le benzoate de benzoyle, donc il peut être concentré de 5 à 10%. On a même du 25%. Alors, plus la concentration elle est importante, plus il y a de risques, bien sûr, d'irritation. Alors, on peut utiliser le benzoate de benzoyle chez la femme enceinte, mais par contre, pas chez la femme allaitante. Alors, toujours garder en tête 2 applications, donc à renouveler au bout d'une semaine. Bien sûr, à laisser toujours pendant 24 heures et diminuer le temps d'application chez l'enfant en fonction donc de l'âge de 2 ans. Et puis enfin, vous avez bien sûr ce qu'on appelle la permétrine, mais chez nous, on utilise le benzoate de benzoyle, pas la permétrine. On a par contre le crotamiton qui est une crème donc qu'on pourra associer éventuellement. Alors avec les mêmes modalités un petit peu d'application, toujours à renouveler une semaine après. À l'échelle de l'individu, donc on a traité la gale, on a traité la maladie, l'infection. Maintenant, à l'échelle de l'individu, il faudra toujours traiter tous les individus parasités, contacts. Souvent, il s'agit d'une petite épidémie, donc en général au niveau du cercle familial. Bien sûr, traiter à la fois la famille, le partenaire sexuel, éventuellement, étant donné qu'il s'agit d'une IST. Donc, gardez en tête cela. Alors, le problème avec ça, c'est que c'est une IST. Elle accompagne d'autres IST. Mais il y a une effraction, alors en matière d'infection sexuellement transmissible. Donc, toute effraction au niveau de la muqueuse génitale peut faire donc le lit
Au passage, alors en matière d'IST, vous savez, il y a d'autres IST, il y a l'herpès, il y a le syphilis. Donc si on a une fragilité muqueuse à ce niveau-là, donc qui sera favorisée par notre gale, il peut y avoir donc d'autres IST qui peuvent survenir. Alors maintenant, pour la gale profuse et hyperkératosique, étant donné le caractère très très contagieux de ces gales-là, donc il faudra isoler le malade, il faudra traiter toujours de façon simultanée tous les cas contacts malades. Alors, ces cas contacts, il faudra aller les chercher, il faudra faire votre petite enquête. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'il y ait un sujet, un membre de la famille qui n'ait pas été traité, et là, vous avez de nouveau une réinfestation. Alors, la gale, c'est plus un casse-tête dans lorsque vous avez une petite épidémie, parce que sinon, on la traite assez aisément, et le diagnostic aussi, on arrive à le poser assez aisément. Alors, faire attention à tout ce qui est surinfection, impétiginisation. Alors, on n'a pas besoin d'avoir une surinfection bactérienne ou une systémique surajoutée. Donc, on devra donner un traitement, une antibiothérapie par voie générale. On va donner dans ce cas-là des macrolides. Puis, bien sûr, pour ces gales-là, profuses, très inflammatoires, on va devoir poursuivre le traitement au-delà d'une semaine. On peut aller jusqu'à 3 semaines de traitement. Maintenant, dans certaines situations... Alors, ce que j'oubliais de vous dire, alors en matière de ces gales-là, alors l'ivermectine trouve son indication. Hein. Donc, on va les traiter. Alors, on devrait traiter normalement comme traitement de première intention par de l'ivermectine. Alors, l'ascabiol ne va que, on va devoir prescrire cela sur plusieurs semaines. L'idéal sera de donner donc un traitement par voie générale. Alors, concernant maintenant les sujets qui sont susceptibles de faire une réinfestation. Maintenant, quand est-ce qu'on va suspecter une réinfestation? Donc, alors, ben non. Au contraire, les nodules, on peut les avoir. Même sur une gale qui a été correctement traitée, on peut avoir, c'est une réaction inflammatoire. Donc, c'est plutôt sur les autres signes, donc sur les scians, sur la présence de scians, parce que le patient peut se réinfecter, il peut même s'auto-réinfecter. Il suffit de ne pas traiter correctement la literie, vous allez de nouveau avoir une gale. Donc là, on peut donc, bien sûr, sur la base d'un examen soit parasitologique positif ou sur la base d'une clinique évocatrice, on devra donc refaire le traitement au bout du 8e ou 15e jour. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc on va donner pour toute impétiginisation une antibiothérapie donc large, adaptée. Alors l'impétiginisation, elle est en général due au staphylocoque. Alors, on va donner des macrolides éventuellement. Et puis, vous avez l'eczématisation. Alors, l'eczématisation, donc, il va y avoir apparition des lésions typiques d'eczéma, du suintement, de la vésiculation. Alors, on va donner des dermocorticoïdes sur une durée. Alors, parfois, on donne des dermocorticoïdes, mais vraiment sur une brève durée, associée à un traitement émollient. Alors, de pratique courante, vous pouvez même donner d'emblée le traitement émollient, étant donné le caractère un petit peu irritant. Comme ça, vous allez éviter donc tout ce désagrément-là. Alors, les antihistaminiques, alors vous me faites rappeler, alors je me suis rappelé de l'histoire des antihistaminiques. Alors, si demain, je n'ai pas de réponse à ma question sur les antihistaminiques, vous allez avoir ça dans l'examen, je vous assure. Le groupe qui va venir demain, alors si vous m'entendez de l'autre côté, le groupe qui va venir demain en TD devra répondre à la question des antihistaminiques. Alors, c'est le groupe ou c'est juste les personnes qui sont présentes habituellement? Alors, je vois qu'il n'y a pas... Demain pour le TD. Alors, normalement, on ne devrait pas prendre le groupe. Étant donné que c'est les mêmes personnes qui assistent, alors on devrait garder que les gens qui assistent. Pardon? Alors normalement, alors je m'adresse à tout le monde, hein, même à ceux qui sont... Alors ça n'est pas très équitable parce que je vois que c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Et puis à la fin, tout le monde veut faire le TD. Alors je vais faire passer une feuille de présence et ça ne sera pas le groupe, alors que ça sera les personnes qui auront été présentes au cours. D'accord? Parce que je ne vois pas pourquoi des personnes sont là pratiquement toutes pendant les 3 semaines. Et pour le TD, alors c'est le groupe qui veut venir. C'est inéquitable pour les personnes qui viennent. Parce que là, je vois qu'il n'y a pas une... Alors, vous m'avez entendu de l'autre côté. Hein.
Alors, les personnes